Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité, prêt pour demain. Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à une autre vidéo, un autre Facebook Live. Aujourd'hui, pour explorer notre programme d'électro-neurodiagnostic, un merveilleux programme à la Cité qui est peut-être un peu moins connu dans le domaine des sciences de la santé. Très chanceux aujourd'hui d'être accompagné de la coordonnatrice du programme, Mme Nathalie Leblanc. Salut Nathalie, ça va bien? Allô Eric, ça va bien, merci. Good, oui. Fait qu'aujourd'hui, on veut vous donner un survol du programme, on veut confirmer certaines choses. Important de savoir que le programme est disponible pour septembre, déjà pour faire l'admission, vous pouvez déjà faire l'admission. Pour le Facebook Live, ce qui est important, on a des agents qui sont dans les commentaires tout au long du vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là, on peut répondre. En tout temps aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 613-742-2483 à l'option 1. On est sur le chat, sur le site web en tout temps. N'hésitez surtout pas, on est ici pour répondre à des questions. Aujourd'hui, comme je dis, on focus sur électro-neurodiagnostic. Fait qu'on a une série de questions. Nathalie, je vais commencer, on va les poser et on va partir de là. C'est parfait. All right, question numéro 1. Peux-tu nous donner un bon survol du programme d'électro-neurodiagnostic à la Cité? Oui, donc le programme, c'est un programme qui est réparti sur 2 ans puis qui est divisé en 4 étapes. Donc, les 3 premières étapes, les étudiants, ils vont avoir un mélange de cours théoriques et de laboratoires pratiques au collège dans lesquels les étudiants vont apprendre là, toutes les notions nécessaires pour effectuer différents examens et diagnostics en neuro. Puis ensuite, à la 4e étape, les étudiants vont compléter un stage pratique là, de 14 semaines en milieu hospitalier où ils vont pouvoir là, mettre en pratique toutes les compétences professionnelles puis les notions qu'ils ont apprises là, durant les 3 premières sessions au collège. Parfait, cool. Quand on parle d'électro-neurodiagnostic, c'est un domaine, comme vous dites, peut-être un peu moins connu pour certaines personnes. Puis, on oublie des fois le titre officiel de nos diplômés. Une fois qu'on finit le programme, c'est quoi notre titre comme tel dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé? Donc, les étudiants, lorsqu'ils vont, donc après l'obtention de leur diplôme, ils vont être, les étudiants vont être techniciens et techniciennes en électro-neurophysiologie. Donc, ils vont pouvoir déjà commencer à travailler là, dans le domaine de la neuro. Puis ensuite, ils vont pouvoir siéger pour les examens auprès de l'Association nationale pour devenir technologue certifié en électroneuro. Cool. C'est le fun. Des fois, ça donne une meilleure idée de c'est quoi, savoir le titre concret, ça l'aide beaucoup. Fait où est-ce que nos diplômés ou les gens qui sont dans le domaine, où est-ce qu'ils peuvent travailler? C'est-tu quelque chose qui est beaucoup hospitalier? C'est-tu dans différents domaines? Oui, donc les étudiants peuvent travailler là, dans tous les hôpitaux là, et les cliniques de neurologie à travers le pays, vraiment. Donc, c'est ce qui est le fun pour nos étudiants en électro, c'est qu'ils vont apprendre différentes modalités. Donc, ça va leur ouvrir plusieurs portes dans le domaine de la neuro, donc un peu plus spécifique. Donc, ils vont apprendre comment faire des électroencéphalogrammes pour l'analyse des ondes cérébrales, donc les ondes du cerveau. Ils vont aussi apprendre comment faire des conductions nerveuses pour évaluer là, l'efficacité ou la transmission là, des influx nerveux dans les nerfs. Puis ils vont aussi même apprendre à survoler un petit peu les études de sommeil. Fait que c'est quelque chose qui peut les intéresser aussi. Donc, ça leur donne plusieurs choix. Puis par la suite, ils peuvent se spécialiser dans une modalité ou ils peuvent même en faire plusieurs, tout dépendant où est-ce qu'ils vont aller travailler. Cool. C'est un domaine qui est quand même beaucoup en demande sur le marché du travail. Ça a l'air comment? Je sais que c'est une question quand même très populaire pour ceux qui sont intéressés dans les programmes. Qu'est-ce que ça a l'air pour le travail à la suite? Peux-tu nous donner une idée de comment ça se passe? Oui, donc c'est un domaine qui est quand même assez en demande, surtout dans les régions de Toronto et dans l'Est canadien. Surtout, là, j'ai des précepteurs ou des employeurs qui nous appellent régulièrement, qui nous cherchent justement des gradués pour travailler dans leur laboratoire. Même ici, dans la région d'Ottawa, les étudiants, les gradués vont se trouver des emplois. C'est important de comprendre que la neuro, c'est quand même un domaine qui est très spécialisé. Donc, c'est les infirmières vont avoir des centaines, des milliers d'infirmières dans un hôpital, tandis qu'en neuro, comme technologue, peut-être 10, 15 technologues certifiés dans un hôpital, dans un gros hôpital.
Puis même les cliniques plus privées, ils vont peut-être avoir deux technologues là, certifiés qui travaillent vraiment de près là, avec le médecin. Donc, mais la demande va varier beaucoup là, d'année en année, même de province ou de ville là, dans, au Canada. Cool. Puis je pense que ça l'enchaîne bien avec ma prochaine question. On mentionne qu'on peut travailler dans différentes régions au Canada. Fait que le programme est reconnu partout au Canada, c'est bien ça? Oui, oui, exactement. Donc, notre programme d'électroneurophysiologie à la Cité est reconnu au niveau national. Donc, il est accrédité par l'Association canadienne des technologues, puis aussi reconnu par l'Association américaine aussi. Cool. Oui. Ça lui ouvre quand même beaucoup de portes. On peut aller même travailler aux États, à l'international. Oui, exact. Une autre chose qui est toujours intéressante, c'est de savoir où nos diplômés sont rendus. Aurais-tu une couple d'exemples de où sont rendus nos diplômés? Y a-t-il des belles emplois, des choses comme ça, où ils sont? Oui, donc, mais dans le fond, j'ai des étudiants un peu partout au Canada, honnêtement. Donc, j'ai des étudiants, pour donner des exemples, à l'Université d'Alberta. J'ai une étudiante, plusieurs étudiants à McMaster, l'hôpital à Hamilton. On a des étudiants, plusieurs étudiants dans la région de Toronto. Ici à Ottawa même, on en a plusieurs. On a des gradués dans tous les grands hôpitaux ici à Ottawa, donc le Civic, le Général, Montfort, Chio. Il y a aussi plusieurs étudiants qui ont été placés dans les cliniques privées en sommeil, là, un peu partout dans la région. Nice, ça donne une belle idée. On sait souvent, on essaie de faire un choix postsecondaire, puis on ne sait jamais si c'est un bon fit pour nous. Fait que je pose la question, est-ce que tu connais les qualités recherchées pour nos étudiants ou quel genre de personne aimerait ce programme ici? Oui, donc comme futur professionnel de la santé, puis comme tout programme là, au niveau de la santé, c'est sûr qu'il faut aimer les sciences, il faut aimer travailler avec les gens, hein? Il faut aimer aider les gens. C'est sûr que dans le domaine de la santé, on travaille avec une population vulnérable, donc c'est des gens qui ont besoin d'aide, c'est des gens qui veulent se faire soigner, donc il faut vouloir aider ces gens-là. C'est important aussi d'être capable de travailler sous pression, être capable de démontrer beaucoup de maturité aussi. Des fois, on travaille seul, donc on doit être capable de le faire avec beaucoup de maturité et de patience aussi. Hein? Nos patients ne sont pas toujours coopératifs, donc il faut être patient. Des fois, ça peut prendre du temps aussi, je pense, aux examens qui sont faits aux soins intensifs, à la salle d'urgence aussi, hein? Ça prend beaucoup de patience. Il faut une excellente vision aussi. Surtout en EEG ou en neuro, on fait l'analyse de tracé, on fait l'analyse d'enregistrement. Donc, on est devant un écran, on fait l'analyse de signaux, donc il faut être capable de bien les voir. Une bonne dextérité aussi, il faut manipuler des petits objets, il faut faire des belles mesures. Je pense que ça englobe un bon profil. C'est bon. Puis, je pense qu'il est important aussi de noter, c'est que peut-être comparatif à d'autres programmes en santé, le volet analyse, comme tu dis, capable de bien lire, bien voir ces choses-là, puis bien analyser, c'est un gros volet du programme, je comprends bien. Exactement, on est vraiment les yeux du neurologue, les yeux du médecin, parce que les médecins vont avoir notre rapport final, donc notre résumé, si on veut, de l'enregistrement, mais ils n'ont pas nécessairement vu l'enregistrement ou ils n'ont pas vu de A à Z comme nous, on l'a vu durant l'acquisition de l'enregistrement. C'est vraiment important de faire une belle analyse et de faire un beau résumé ou un beau rapport là, pour le médecin. Nice, super. Excellent. Moi, je pense que ça continue. On parle toujours aussi, on veut enseigner, on veut se faire enseigner par des pros, puis on aime toujours savoir le genre d'équipe qui est dans l'équipe de l'électroneurodiagnostic. Chez vous, est-ce que les profs, est-ce que les enseignants, vous autres, avez-vous de l'expérience dans le domaine? Oui, donc tous les professeurs du programme ont travaillé dans toutes les modalités là, de neuro, que ce soit en EEG, en études de conduction nerveuse, en études de sommeil. J'ai des professeurs qui ont fait de la salle d'opération, j'ai des professeurs qui ont travaillé dans la population pédiatrique avec les enfants. Donc, on a une super belle équipe. Là. Puis c'est vraiment, ça fait toute la différence, je trouve, là, d'avoir, tu sais, on peut apprendre la théorique, les étudiants peuvent apprendre la théorique, mais c'est quand on utilise vraiment des situations qu'on a vécues ou des exemples concrets là, qu'on a pu voir ou qu'on a pu assister lors de notre expérience là, sur le marché du travail. C'est toujours rassurant, je pense, en tant qu'étudiant, de savoir que la personne devant nous
et quelqu'un qui l'a fait et qui a l'expérience. Fait que absolument. De parler absolument. D'expérience, c'est vraiment, vraiment rassurant, je dirais. Oui. Il nous reste deux questions, mais avant d'aller plus loin, juste rappeler aux gens, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. On a des agents qui sont là pour vous aider. On est sur le chat, sur les appels, s'il vous plaît, on est là. Fait que si vous êtes gêné, c'est pas le temps. S'il vous plaît, posez vos questions. On veut faire certain que vous avez toutes les informations. Fait qu'on peut continuer. Nathalie, je pense que ce qui est important aussi, les gens veulent avoir une bonne idée de c'est quoi le programme. Fait que c'est-tu possible de vraiment décrire les tâches de nos diplômés ou de nos étudiants dans le programme? Oui, donc comme j'ai mentionné plus tôt, il y a plusieurs modalités que vous allez apprendre. Je vais commencer avec l'électroneuro, donc l'électroencéphalogramme. Dans le fond, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on veut analyser l'activité cérébrale de notre patient. Donc, il y a certaines étapes qu'on doit faire pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc, les étudiants vont commencer par apprendre comment mesurer la tête du patient. Donc, c'est quand même, il y a des mesures spécifiques. Il y a, tu sais, chaque électrode ou chaque fil qu'on va aller placer sur la tête de notre patient a un emplacement spécifique. Donc, c'est vraiment des mesures qui vont prendre du temps. Les étudiants, ça va prendre au début là, plus d'une heure, là, à une heure et demie même, à mesurer une tête complète. Puis, dans la fin, juste avant de quitter pour aller en stage, ils le font en 15-20 minutes. Donc, c'est vraiment des mesures complexes. Mais bon, ils vont apprendre à mesurer la tête. Ensuite, ils vont apprendre à appliquer les électrodes, donc placer les électrodes sur la tête. Puis ensuite, comment faire un enregistrement de A à Z en passant par différentes méthodes d'activation, différents montages, comment manipuler l'ordinateur. Donc, ça résume un peu là, les tâches d'un tech ou un étudiant en électro-neuro. Ensuite, pour les conductions nerveuses, qui est en neuro aussi, mais c'est une autre branche de la neuro, où les étudiants vont apprendre, premièrement, ils doivent apprendre tous les muscles, les nerfs du corps. On ne peut pas juste aller stimuler n'importe où. Donc, il faut vraiment connaître notre anatomie. Donc, les étudiants vont premièrement apprendre à connaître l'anatomie. Puis, par la suite, ils vont pouvoir procéder à l'exécution des examens. Donc, ils vont placer les électrodes dans certaines régions, puis ils vont les stimuler. Donc, ils vont avoir un petit choc électrique dans les nerfs pour vérifier la conduction. Donc, dans le fond, ils vont calculer la vitesse à laquelle les signaux vont passer dans les nerfs pour voir si les nerfs sont en bonne santé, dans le fond, ou s'il y a différentes pathologies ou différentes maladies qui peuvent venir affecter là, ces transmissions-là. Puis ensuite, il y a les études de sommeil. Donc, je pense que les gens, ils connaissent un peu plus sur les études du sommeil, mais dans le fond, les étudiants vont apprendre comment faire, donc, une étude de sommeil. Donc, du début, la préparation du patient. Donc, non seulement qu'ils vont avoir les mesures de tête, comme un EEG, placer les électrodes, tout ça, mais ils vont aussi avoir d'autres signaux qui vont capter, entre autres, les bandes respiratoires, donc comment mettre les ceintures. Ils vont avoir d'autres électrodes, d'autres signaux qu'on va capter. Donc, c'est comment brancher le patient de la tête aux pieds pour le préparer pour son étude de sommeil. Puis aussi, comment analyser les études par la suite aussi. Là, c'est sûr qu'il y a quasiment toute une année complète où les étudiants vont apprendre comment analyser les signaux obtenus, les résultats obtenus pour poser un diagnostic, là, pour que le médecin puisse poser un diagnostic par la suite. Super! C'est très complet. Au moins, ça donne une vraiment belle idée aux étudiants de qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi sur le marché du travail. Fait que merci beaucoup. Je pense que ça vient à la dernière question, la plus importante, puis je pense que je veux faire un rappel. Le programme est disponible pour septembre, fait que si vous voulez faire une demande d'admission, c'est le temps. Vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, faire une demande d'admission, c'est ouvert. Fait que je pense que je peux peut-être poser la question pour ceux qui sont intéressés, c'est quoi les conditions d'admission pour le programme d'électro-neurodiagnostic? Donc, les étudiants doivent avoir un diplôme d'études secondaires, évidemment, qui comprend la biologie, la mathématique. Aussi, les étudiants doivent bien maîtriser l'anglais. C'est essentiel parce que, un, les textes utilisés, les livres utilisés dans le domaine sont souvent en anglais. Puis, les stages pratiques sont faits majoritairement là, en Ontario. Donc, c'est nécessaire là, que l'étudiant soit capable de communiquer efficacement en anglais avec le patient, premièrement, puis avec l'équipe de soins, avec les médecins avec lesquels ils vont travailler. Donc, c'est hyper important. Il y a aussi, donc préalablement au stage, les étudiants vont devoir nous remettre un dossier d'immunisation à jour. C'est sûr que pour travailler dans les hôpitaux, c'est nécessaire. Aussi, ils vont devoir nous remettre un certificat de secouriste, RCR, puis aussi une vérification du dossier judiciaire. Super. Fait que
Sachez, gang, pour tout le monde qui est intéressé en ce moment, si vous n'avez pas votre diplôme comme tel, c'est possible, il y a d'autres choses qu'on peut faire, des tests de compétences. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des conditions en mathématiques et biologie spécifiquement. Mais si vous n'êtes pas certain de quel code de cours, sur notre site web, on a une page de programme d'électroneurodiagnostic. Si vous allez en bas de la page, il y a toutes les conditions d'admission. Tout ce que vous avez besoin est sur cette page-là. Je vous suggère fortement, si vous êtes intéressé dans le programme, allez survoler cette page-là. Il y a tous les cours qu'on va suivre. Il y a plein de différentes ententes. Il y a plein de différentes choses sur cette page-là qui est important d'aller voir pour juste confirmer notre choix et avoir d'autres informations. Fait que je pense que ça fait le tour. C'est quand même assez complet. Ouais, good. J'espère, gang, que vous avez appris quelque chose de nouveau sur notre programme d'électroneurodiagnostic. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible pour l'admission. On veut vous voir dans notre programme. Vous pouvez dès aujourd'hui faire la demande d'admission directement sur notre page web d'électroneurodiagnostic. En haut à droite, tu dis « Je veux m'inscrire », puis ça va t'amener directement dans le processus. On a hâte de vous voir. Oui, absolument. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris le temps de communiquer avec nous. De merci à toi, Eric. Présenter ton programme, merci. On vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Salut. Merci.